On a bien conscience que les réponses qui seront apportées à la meilleure répartition des médecins et à l'amélioration de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, c'est des questions qui impacteront directement notre pratique. Mais pour répondre à ces questions, il faudrait déjà d'abord bien s'entendre sur l'évolution effectivement du besoin de la population. Quelles sont les demandes réelles de la population? Est-ce que c'est des demandes qui, en matière de santé publique, sont suffisamment fortes pour justifier les besoins qu'on va mettre derrière? Est-ce qu'il ne faut pas revoir l'organisation du système de soins? Et puis les déserts médicaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un document de l'ADRES qui est assez intéressant pour définir les déserts médicaux. C'est une problématique qui existe et à laquelle il est important de trouver des réponses. Mais c'est probablement moins catastrophique que ce qu'on veut bien dire par moment. En tout cas, il y a des systèmes d'amélioration, et il y a des améliorations en cours. On sait que jusqu'en 2025, la densité médicale, elle va baisser, mais par contre, il y a déjà des leviers d'action qui commencent à montrer leurs effets. Et parmi eux, le levier majeur à notre sens, c'est celui de la découverte de l'exercice en libéral en zone fragile, qu'elle soit urbaine, parce qu'il y a des zones fragiles en zone urbaine ou rurale, et cette découverte, elle passe par l'amélioration de l'encadrement en stage, donc l'augmentation du nombre de maîtres de stage universitaires, mais aussi l'amélioration des conditions d'accueil des internes en formation et des jeunes médecins sur ces territoires-là. Et l'accueil de ces jeunes médecins, ça passe pas par la gratuité, c'est pas ce que les jeunes médecins recherchent. Par contre, une facilité dans l'accès à cette zone-là, que ce soit avec des facilités de transport ou une facilité d'hébergement quand l'interne, pendant 6 mois, ben, il n'est plus dans la ville dans laquelle il est habituellement, mais il est dans ce territoire-là pour être en stage. Tout ça, c'est des propositions qu'on fait qui peuvent permettre de faciliter la découverte de ces territoires-là et donc de lever un certain nombre de mythes, de présupposés ou de peur que peut avoir l'interne et donc de lui faciliter la projection vers un exercice futur et l'installation à terme. Ces propositions, elles sont très facilement transposables au second cycle des études de médecine, c'est-à-dire avant l'internat. Dès le début de la formation du jeune médecin, le sortir du moule hospitalo-centré dans lequel s'ancrent actuellement les études de médecine et lui faire découvrir ces territoires. Donc, la formation, c'est évidemment le premier levier. Il y a des propositions qui commencent à montrer leur efficacité. On peut prendre l'exemple du département de l'Aveyron qui joue sur ce levier depuis un moment et qui voit son nombre d'installations largement augmenter. Il n'y a pas que l'installation. Il y a aussi le fait qu'il faut que l'installation paraisse simple. Aujourd'hui, quand on pense installation en tant qu'interne de médecine générale, particulièrement quand on pense installation en territoire sous-doté, on a l'impression que ça va être très très compliqué. Et ce, parce que dans une installation, il y a énormément d'acteurs qui rentrent en compte. Il y a les acteurs qui rentrent en compte pour tout type d'installation, que ce soit en zone un peu plus dotée ou en zone moins dotée. C'est l'URSSAF, c'est la caisse d'assurance maladie, c'est le conseil de l'ordre, c'est les inscriptions pour tout médecin. Mais par contre, dès qu'il s'agit de savoir dans quel endroit un projet professionnel est en train de se monter avec une équipe de santé, dans quel endroit il va y avoir un départ à la retraite, mais aussi quel type d'aide on peut toucher de la part de la Convention nationale ou quel type d'aide on peut toucher de la part de l'ARS sur le Fonds d'intervention des régions. Eh bien, on ne sait pas vers qui se tourner. L'interne, il n'a pas de réponse efficace parce qu'il manque une personne référente, un guichet unique. Les ARS sont censés prendre ce rôle. On note une disparité dans la mise en place de ce dispositif. Et ce dispositif ne répond pas encore assez globalement à l'ensemble des offres qui peuvent être mobilisées pour faciliter la création d'un projet de soins par un médecin généraliste dans un territoire. Et enfin, cette notion de projet de soins, elle est indispensable, puisqu'on note un certain nombre d'annonces d'ouverture de centres de santé ou de maisons de santé, qui sont deux entités différentes, mais ces ouvertures se limitent très souvent à des ouvertures d'actions immobilières, de projets qui vont faire sortir des nouveaux cabinets flambant neufs. Sauf que si ces projets-là ne se construisent pas d'abord sur un projet de soins, porté par une équipe pluriprofessionnelle, c'est-à-dire pas uniquement un médecin généraliste, mais un médecin généraliste parmi d'autres professionnels de santé, eh bien si cette opération immobilière, elle se base pas d'abord et avant tout sur le projet de soins, elle ne fonctionnera pas et il n'y aura pas de candidats pour venir y travailler. Donc on a là plusieurs leviers qui peuvent avoir un effet très rapide. La formation des internes, parce qu'il faut 3 ans à partir du début de l'internat pour qu'un médecin sorte. Une harmonisation des propositions qui sont faites aux internes pour faciliter leur installation. Une facilitation des démarches. Une meilleure présentation des incitations qui peuvent lui être faites et des territoires. Et puis enfin, une capacité à intégrer les futurs médecins dans les projets de soins dans lesquels ils participeront plus tard.